Dès les premiers jours, notre travail d'ethnographie commence. Nous étudions les Esquimaux et leur façon de vivre. En été, ils habitent des tentes de peau de phoque, plus facilement déplaçables suivant l'endroit où la chasse aux phoques est la plus fructueuse. Angmasalik, côte est du Groenland, Transgroenland, traversée du Groenland, d'ouest en est, Montforel, c'est des noms que j'ai toujours entendus. Ce que je suis venu chercher au Groenland, la raison de l'absence de Sper, essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il n'était pas à la maison. Vitu. Son Vitu. Il n'y a pas une minute sans que je ne regarde émerveillé et subjugué ces visages qui m'ont tout le temps accompagné. Ah bah ça y est, maintenant j'ai compris. So in 60 it was 10 here, and 40 it was about there. Yeah. So in the 30s it was complete glacier. So it goes back. How many kilometers do you think? 20? 20 kilometers. Yeah, 20, 25. And glacier is going down. Yeah, and we can see over there here. Yeah, I can see this glacier. Yeah. Every year goes down. Suri kani bani, kapiwa sabiwa inanda sima. Le travail de l'homme consiste à chasser le phoque, à construire kayak et oumiak, tentes et huttes, ainsi que les instruments dont il a besoin pour la chasse. Pendant la bonne période de chasse, chaque chasseur peut ramener plusieurs phoques, les très bons chasseurs jusqu'à 10 phoques dans une journée.
Celui de la femme commence lorsque le phoque est ramené à terre. Elle dépaisse le phoque, détache la peau, suivant une coutume ancestrale. Pour travailler, la femme esquimaux tend les jambes et penche le buste en avant. Lorsqu'ils ont le ventre bien plein, les esquimaux sont très heureux, rient, racontent des histoires et disent qu'ils sont napaïra, c'est-à-dire que leur langue se tient debout dans leur bouche, tellement ils ont mangé. Il était tellement entier dans ce qu'il faisait, il y avait une telle conviction que je peux comprendre, même si j'en ai souffert, qu'il ait laissé un certain nombre d'autres choses de côté. Oui, j'ai des éléments de réponse parce que je comprends qu'une fois qu'on est face à ça, on a vraiment envie que d'une chose, c'est de se retrouver sur le terrain.